Donc nous voici, digue de Rochebonne, le 9 mars 2012, et dit 19h, et la marée est haute, avec une très forte houle ce soir. Vous voyez, c'est extrêmement impressionnant. C'est pas encore le maximum. On a la digue de Rochebonne ici qui est complètement inondée. C'est même dangereux d'y aller. Il y a des bonnes masses d'eau assez écrasées. Et là, vous voyez, la mer qui passe par-dessus la digue grâce à cette houle. Alors vous voyez, pourtant le ciel est parfaitement clair, pas un nuage, il y a zéro vent. Donc c'est bien la houle qu'il faut surveiller dans le phénomène des grandes marées à Saint-Malo. Voilà, vous voyez que ça passe par-dessus la digue, hein, complètement. On a même eu des vagues à passer par-dessus l'immeuble. C'est franchement, vous voyez, la puissance qu'elle a. C'est phénoménal. Il faut faire très attention. Et sur la digue aussi, des gens là-bas. Ça prévient pas. Ça peut être calme pendant 10 minutes. Et une vague soudaine, ça peut être mortel. Hein. Il y a même des malouins qui se sont fait emporter. C'est déjà arrivé, malheureusement. Alors là, il y a une très grosse vague qui arrive. Donc regardez bien. Imaginez que vous êtes à pied sur la digue, tout est calme. Et pourtant, regardez la puissance de ces vagues. Vous voyez, vous vous faites emporter littéralement. Il n'y a pas de doute. C'est vraiment des monstres. Alors là, il y a un monstre qui arrive, mais ça devrait casser. Vous voyez, ça devrait casser. Mais alors, c'est sur la grande digue qu'il faut surveiller surtout. Oh ouais, alors là, ça va être monstrueux. Regardez bien. Vous voyez, le grillage s'est fait emporter derrière. Ça a bien bougé. Là, c'est vraiment fabuleux. Il y en a une autre. Alors là, ça va recommencer, regardez bien.